Ace. Mais chakalaba bobé. Hommage à toutes les femmes battues. Yes. Check ça. Trouver la femme de sa vie, mon ami, ça c'est pas facile. Toi tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu veux faire l'imbécile? À cause de tes coups de poing, elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Mon ami, tu sais, dans un couple, on n'a pas besoin de violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi tu lui donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, tu me déçois. C'est toi le chef de famille, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Respecte ta partenaire. Mon ami, tu dois le faire. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Arrête de prendre ta femme pour une intercède. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Quand tu la draguais, tu étais l'homme le plus gentil. Tu brûlais d'amour pour elle. J'ai dit, madame, tu fais même quoi depuis le matin là? Tu n'as pas ciré ma chaussure. Je ne vois pas mon petit déjeuner. Tu es là. Mon petit déjeuner est aussi prêt. Les enfants aussi sont partis. Je parle, tu parles. Je parle, tu parles. Je fasse quoi? Toi là, je ne vois même pas ton importance ici dans cette maison. Hein. Je ne vois pas ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu n'es pas. Quand tu me draguais là, tu ne savais pas que je n'avais pas d'importance. Une consommatrice. Maintenant, je suis une consommatrice. C'est à moi que tu dis ça. Je tiens. C'est à moi que tu dis ça. Tu parles ça à qui? C'est à toi que je parle. Tu parles à qui? À toi. Et en plus, tu me dois. Je vais doiter. Je suis ton égal. Je suis ton égal. Villageoise que tu es. J'ai dit, madame, toi là. Remets-moi la télécommande. Tu as contribué combien? Tu as contribué. Quand on avait signé à la mairie là, c'était bien commun. Maintenant la télé bien là, c'est commun. Pour toi. Va là-bas, quel bien commun. Maintenant, tu as contribué télé, combien? C'est pour moi. Contribué. Regarde-moi comment elle est. Tu prends du poids, on dirait un porc. Regarde-moi ça. Je ne vais pas me changer. Je ne vais pas me changer. Je ne veux même plus te voir ici. Là. Ici. Ta maison, oui. C'est ma maison. Quand tu étais là-bas chez tes parents, là, tu dormais sur un beau tapis comme ça. Regarde-moi ça. Ouais, bien comme ça. Vous avez déjà mangé? Ok, bye bye. J'espère que tu as tout pris tes cahiers, comme tu le dis souvent là. Maman, bye. Ok, bye bye. Voilà. Où mets-toi? On part à l'école. Ma belle? Oui, maman. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Oui, maman. Aïe. C'est dans la route. C'est bien sûr que maman. Non, ça va, ça va. Ça va, elle part avec le resto. Maman.
Oh. Va regarder la télé à ta mère. Je suis en train de faire le maximum possible. Dès que je finis là, il t'appelle. C'est là un peu près. Non, non, ma belle, c'est toi. Ah. Moi, quand même, moi, le masque. Aujourd'hui, je veux voir pas ça contre toi. Mais moi, le masque. Pour me voir, nous, là, c'est quoi? Mais nous, trace, tu viens sous des sons. Tu ne vois pas Africa Movie. Tu ne vois pas quand moi, comment il tourne, c'est quoi? Moi-même, moi, le masque, je vois. Tu vois comment il tourne bien. Tu veux voir quel. C'est toi qui as acheté la télé. Oui, ah, ne me dérangez pas. Je laisse filmer ce que je veux. Si vous êtes pas venu à l'opin, là, je me commande sans m'envoyer. Donne-moi la télé. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Hey, je ne donne pas. Regardez pourquoi. Donnez-moi la tête. Aïe. Je veux voir le père. Tu veux voir le père? Viens alors. Mes bébés chéris. Papa. Ok. Je vais aller rendre visite à mon ami là. Restez tranquille. Hein. Pas, et surtout pas de bagarre. Okay. Vous avez compris, non? Gaël, depuis quand tu t'habilles comme ça? Enlève-moi ça. C'est quoi sur la tête là? Ça, c'est quoi ça? Regarde même tes cheveux. En tout cas, le soir-ci, je vais t'amener chez le coiffeur. Tu as compris? Mm-hmm. Restez tranquille. Voilà, quand tu t'es encore discuté à la télécommande, là, tu m'as connu. Non? Et puis quoi? Je vais te rendre alors. Rends-moi. Y a tout, papa. Mm-hmm. On est arrivé. Merci. Merci. Oh, on est arrivé, papa. M'asseoir. Merci, Gaël. Ouf. Comment? Mes enfants ont évolué. Vous regardez Africa Movie. vous avez mangé? Papa. Vous vous êtes lavé? Oui. Et vos exercices? Toi, tu as fait tes exercices? Oui, papa. Et toi, Gaël? Papa. Tu n'as pas fait pourquoi? Oui, papa. Et votre maman, elle est où? Elle est dans la chambre. Elle est où? Dans la chambre. Elle fait quoi dans la chambre? Je ne sais pas. Elle est dans la chambre étant donné que toi, tu as les exercices, elle ne peut pas t'aider. Appelle-le. En tout cas. Merci beaucoup, madame. Mes enfants sont là, ils n'ont pas fait les exercices. Toi, tu es là, tu es couché. Tu ne les aides pas à faire les exercices. Gaël, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Fallait dire à papa que tu as fait tes devoirs, non? C'est ton problème. Aïe. Après, ça va encore chauffer. Tu veux que ça chauffe encore? Madame, ouvre-moi la porte là. Ouais, papa, ouais. Ouvre-moi cette porte. Tu es là depuis, tu es là couché. On dirait. Tu veux que je fasse quoi, chérie? J'ai mets-toi déjà... dehors, s'il te plaît. Je ne sors pas de cette maison, j'ai dit. Tu ne sors pas. Je ne sors pas. Mets-toi dehors. Je ne sors pas. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Dis. Tu fasses quoi, mes enfants? Mes enfants sont là. J'ai lavé les habits. J'ai lavé les habits. J'ai lavé les habits. Attends, je parle, tu parles. Attends-moi. Attends-moi ici. Là. Je parle, tu parles. Attends-moi là-bas. Comment tu allais abattu là? Tu n'as pas entendu mes cris. Attends, je vois mes gars. Enfin, il y a même le calme chez toi aujourd'hui. Ça allait parce qu'il est battu au travail. Tu connais mon mari. Le spectacle que ton époux et toi vous nous offrez ici au quartier. C'est gratuit le cinéma ici chez vous là. Tu n'es pas fatiguée, voisine? Moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis même déjà dépassée. Je ne sais plus quoi faire, voisine. Voisine, tu me dis que tu vas faire comment? Tu veux faire comment? Tu veux que je fasse quoi? Tes non, parents non. Ne vivent plus. Ils vivent, non. Qui va accepter à ce que je pars chez eux? Donc, où tu es là, si tu pars chez ta mère, va te chasser. Regarde-toi, j'ai même pitié de toi. Tu veux que je fasse quoi maintenant, là, là où je suis, là? Je vais aller où? Je suis en train de te demander d'aller te reposer chez tes parents. Vraiment? Vraiment? Ça peut peut-être lui changer les idées. Ça peut l'aider. Au moins, ça savoir que dans ton rôle dans la maison, c'est plus important. Tu es sûre de toi? Dans tous les cas, moi, je suis passée te donner un conseil parce que moi, je suis fatiguée de ce qu'il te fait ici chaque fois. Là. Si ça peut lui changer d'idée, moi, je vais un peu réfléchir sur ça. Mais
je pense pas que ça va aboutir à quelque chose. En tout cas, je vais y réfléchir, ma copine. S'il peut vraiment changer. C'est mieux pour toi, parce qu'un jour, c'est ton cadavre qu'on va ramasser ici. Là. Et moi, je ne suis pas témoin. Vu que je suis ta voisine, je ne suis pas témoin. Je vais devoir rentrer. Faut pas qu'il rentre et venir déposer ça. Je suis très fatiguée. Là, je ne vais même pas accepter que tu m'accompagnes. C'est comment faire là, moi. Je ne vais même pas accepter que tu m'accompagnes. Bonne journée, vas-y. Bonne journée à toi. Ça là, quelqu'un dit qu'il a une femme. Regarde comment elle ronfle. Ça c'est vraiment du n'importe quoi. Hé hey, madame, tu es là depuis là à ronfler. Il est quelle heure? Il est quelle heure? J'ai déjà tout fait. Tu, veux tu as tout fait quoi? En tout cas, moi je te dis, je n'ai même pas besoin d'une consommatrice chez moi. Donc à mon retour du travail, je ne veux même plus te voir. Même ta sandalette, je ne veux plus voir ça. N'importe quoi. Tu vas venir me trouver ici là. Ah! Mais. Je dis, hein, madame. Voilà, je t'ai dit quoi? Je t'avais dit quoi? Que je ne veux plus te voir ici. Remets-moi. Et en plus, même tu prends mon téléphone. Hein? Je t'avais dit quoi avant de sortir là? Je t'avais dit quoi? Que je ne voulais plus te voir. Non? Je ne voulais plus te voir. C'est quoi avec toi? J'ai dit que c'est forcé. C'est bien qui va venir m'enlever dans cette maison. Tu es là, tu es là. Tu manges. Je t'ai dit, madame, je ne veux pas une consommatrice chez moi. Au 21e siècle, les femmes travaillent. Les femmes travaillent. J'ai beaucoup de collègues femmes là-bas, c'est dans mon bureau. Aujourd'hui, tu es là. Tu te rends compte qu'on est au 21e siècle. En plus, quand je parle, tu parles. Hein? Tu as grandi, non? Tu me tiens tête. Ça, c'est un facteur de sous-développement. De préférence que l'inondation que toi. En tout cas, madame, moi, je t'ai dit, et je ne reviens plus jamais par derrière. Je suis comme l'avion, je ne fais pas marche arrière. Va ramasser tes effets. Tu me fous le camp. Tu me fous le camp. Je ne vois même pas ton importance ici-là. Sans ta présence ici-là, je peux faire mieux que toi-même, sauvage. Oh, je suis vraiment très content, hein. Monsieur Nono. Monsieur Dito. Enfin, tu es chez moi. Moi, de même, je suis vraiment content d'être chez vous. Et c'est surtout même par rapport à votre problème de ces derniers temps au bureau là, vous êtes vraiment absent, monsieur Dido. Sans vous mentir, vous êtes un ami, vous n'êtes même pas un collègue, moi vous êtes un ami. Mais je vous assure vraiment, monsieur Dido, que ça ne va pas. Je ressens que quelque chose ne va pas dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me faire part de cela? Ouf. Je ne sais quoi te dire, monsieur Nono. C'est pas la sorcière qu'on appelle ma femme là. Elle me casse déjà la tête, elle me casse les pieds. Je ne veux même plus la voir. Mais comment vous pouvez appeler votre femme de sorcière? Non, franchement, ça ne va pas, monsieur Nono. Ça, elle ne me mérite pas. Ça, c'est un facteur de sous-développement. Monsieur Dido, j'aimerais vous faire part d'une chose. En tant qu'ami, mais pas en tant que collègue. Il y a certaines choses dans la vie qu'on regrette souvent. Je vous assure, monsieur Dido, c'est que vous êtes en train de vouloir faire là. C'est-à-dire répudier votre femme. Pour avoir des lourdes conséquences dans votre vie. Monsieur Nono, sans vous couper la parole, si c'est pour cette sorcière-là, je ne veux jamais regretter dans ma vie. Si je la mets à la porte, je ne veux jamais regretter dans ma vie. Non, monsieur Là, Dido. C'est clair, sans vous mentir. Non, monsieur Dido. Ça, c'est un facteur de sous-développement. Monsieur Dido, je vous comprends en tant qu'homme. Mais je vous dis, je prends exemple sur moi. Moi-même, je suis victime de cela, de ce genre d'agissement. Actuellement, le travail pour moi, c'est comme une femme. C'est comme une seconde nature. Mais là, c'est normal. C'est ton travail, c'est ton boulot, c'est ton job. C'est normal que vous preniez votre boulot comme votre femme, comme votre famille. Là, c'est clair. Sans ça, vous n'êtes rien. Là, c'est sûr. Ça, c'est ce que je vais faire croire aux gens, monsieur Dido. Mais intérieurement, je souffre. J'ai perdu ma femme. Elle est allée avec mes enfants. Maintenant, je m'apitoie sur mon travail. Moi, si je la mets à la porte, elle laisse mes enfants.
puisque ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Monsieur Dido, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Hein? C'est pas facile. C'est pas du tout facile, mon ami. Mais une chose est sûre, ne faites pas cela. Monsieur Dido, ce serait une grande connerie ce que vous êtes en train de vouloir faire. Ne le faites pas. Un conseil d'ami. Ok. Si je comprends bien, tu es en train de défendre ma femme. Non, monsieur Dido, comment vous dites ça? Vous êtes mon ami. Sur ce, monsieur Nono, avec tout le respect que je vous dois, vous regagnez la porte. Vous me mettez à la porte? Oui. Puisque j'en ai marre de ce sujet. Au cas contraire, changeons de sujet. Mais monsieur Dido, ça c'est un sujet important. Monsieur Nono. Ok, monsieur Dido, comme c'est ainsi, passez-nous alors une agréable journée. Merci beaucoup. Et j'espère que vous n'allez pas regretter votre choix, monsieur Dido. Tout à fait, merci beaucoup pour la visite. Sans souci, monsieur Dido. Monsieur, merci beaucoup. Sans souci. Merci beaucoup. Là, tu viens me conseiller en disant que ne mets pas ta femme à la porte. Je vais la mettre à la porte. Je l'attends même maintenant là, aujourd'hui là même. Il aura les informations que j'ai mis ma femme à la porte. Tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit là. Hein? Tu veux vraiment que je m'en aille de chez toi? Ouais, madame, tu bavardes trop. Vas-y, s'il te plaît. Trop, c'est trop. Je suis décidée maintenant de partir chez mes parents. Vraiment décidée, j'en ai marre. Je ne peux pas faire mes bagages. Faut partir, madame, faut partir. Ouf, Dieu merci. Enfin, Dieu merci. Pour une fois, tu as suivi ce qu'elle t'a dit. Oh, Dieu merci, faut partir. Libère-moi. N'importe quoi. Il dit un Gaël, lui, avec son chapeau là, c'est même quoi. Je m'en fous. Tu vas partir. Je ne vois même pas ton importance dans cette maison. Sors! Va là-bas! N'importe quoi! Va là-bas! Va. Trop, c'est trop! Quelqu'un est là, je souffre, je ne vis pas avec une consommatrice. Tu n'es pas où? Va là-bas! Va là-bas! Je ne vis pas avec une consommatrice. C'est du n'importe quoi. Les femmes là sont là-bas au bureau. Elles aident leur mari à faire tous les travaux. Toi, tu es là. Quelqu'un est là à manger ce truc. Lève-toi. Madame, lève-toi. Ne me force pas à te faire du n'importe quoi. Lève-toi. Tu ne veux pas te lever, non. Tu ne veux pas te lever. Attends-moi ici. Attends-moi. Tu ne veux pas te lever, non. Tes parents, c'est quoi? Va, ramasse tes effets. Papa, réveille-toi, papa. Réveille-toi. Ne sais pas qu'aujourd'hui c'est lundi. N'as-tu pas qu'aujourd'hui c'est lundi? Ok, j'arrive. Papa, notre tenue n'est pas repassée. Ah? Où est votre maman? Ok, papa, allez, m'attends là-bas au salon, j'arrive. Ok. Ça. Merde, 7h30. Gaël, portez vos tenues. Je vous amène à l'école. Papa, dépêche-toi. Mais je suis en train de repasser, non. Papa, dépêche-toi, on n'a même pas encore mangé. Ce n'est même pas comme ça que maman repasse moi les tenues. Attends, non. Attendez, ouais. Tu sais, maman, moi-même là, il est là, je vais aller au travail aussi. Ok, attendez, ça c'est pour qui? Prends d'abord. Et ça c'est pour qui? C'est pour moi. Ok. Ouais, papa, fais-moi une endette, fais-moi quand je repasse, maman. Papa, finis d'abord avec moi. Attendez, non.
Attendez doucement, il est même là, je veux aller au travail. Ah, mais papa, repasse d'abord. Attendez, papa, attendez d'abord. Pourquoi il fait là-haut pour moi? Pour moi, il était là-haut. Ok, donnez-moi non, votre habit. Non, papa, oui, repasse. Donnez-moi papa, votre habit. Papa, on ne s'est pas encore lavé. Tout est ici, non? Oui, papa. Ok. Voilà. Ce n'est pas comme ça que maman repasse ça. Ouais, papa, repasse bien là. Je veux finir par vous gifler. Ouais, papa, repasse bien. Papa, on a déjà peur. On a déjà peur. Ouais. Allons. Moi, j'ai même activé le feu là, mais t'es Pascal. En tout cas, je veux seulement faire avec. Ali, s'il te plaît. Papa, non, pas de on a faim de cuir là, tu portes même les babouches. Tu t'as regardé ça alors, tu vas payer. Vous faites comment je sais. Attendez, ouais, fermez-moi vos gueules là. On a faim. Ok, comme je n'ai pas pu activer le feu là, vous allez seulement vous contenter de ça. Hein? Papa, voilà. Ça va pas nous soucier. Ça, c'est quoi ça? Tu vas te débrouiller. Prends. Mange ça, tu ne manges pas ça. Papa, dépêche on a faim. Papa, dépêche on a faim. On a faim. Tu commandes. Allons. Il est déjà 8h, je vais aller. Allez, matin, on y va. On a faim, on va manger. Oui, on va aller manger au restaurant. Je ne mange pas le papa, quel restaurant, on a faim. Dieu. On va manger. Allez, papa, on a faim. Sortez, sortez. On a faim. On a faim. Ouais, ouais, ouais. Sortez. Les enfants ne me laissent pas, mon patron aussi ne me laisse pas. Il était à 8h. Lui, il m'appelle. Les enfants m'étaient. Finalement, je suis même dépassé. Fermez une fois la cuisine. Quoi? C'est quoi? La vaisselle même, je n'ai pas fait. En tout cas, à mon retour seulement. Mmh.
Les enfants, ça va? Ça ne va pas. Papa, on a faim. On a faim, papa. On a faim. Depuis là. Quoi? On a faim. Et vous n'avez pas peur? D'habitude, c'est maman qui prépare. Et où est votre petite soeur? C'est maman qui participe à la personne. Je vais chercher papa. Ouais, ouais. Attendez-moi. On n'a pas mangé. Papa, on a faim. On a faim. On a faim. Papa, on a faim. Je vais. Attendez-moi. Oui. J'arrive. Faut faire vite. Merci, madame. Assiette vous dépasse. Non, 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 ça c'est ridicule là. Ouais. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça c'est le travail d'une femme ça. Gars. Vraiment là. Vous êtes vraiment ridicule. Mais monsieur Dido. Oui, gars. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, regardez les conséquences. Je vous avais donné un conseil dernièrement au bureau. Mais regardez vraiment, quand j'étais venu chez vous vous rendre visite là, ça n'allait vraiment pas. Vous avez des habits délabrés là, vraiment. Il vous faut une femme dans votre vie. Je vous avais dit, je vous avais vraiment conseillé de ne pas faire cela, monsieur Dido. Ça ne va pas, ça ne va pas, monsieur Dido. Je m'en fous d'elle. Ah bon? Tu penses que je souffre? Vous ne voyez pas votre souffrance? Quand j'étais étudiant, je ne faisais pas ce travail. Ah. Je m'en fous d'elle. Vraiment, chacun connaît comment il souffre. Mais un grand homme comme vous ne doit pas faire ça. Je m'en tape. Il vous faut une femme dans votre vie, monsieur Dido. Vraiment, moi, je me moque de vous. Je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle. Femme. Je m'en fous d'elle. M'embête encore là. Ouais, que. Oui, allô, chef. Ok, j'arrive. J'arrive tout de suite là. Les enfants vont rentrer maintenant. Je n'ai pas fait la cuisine et je n'ai même pas fini de parler. Quelle vie! Tout ça, je dois travailler sur ça. C'est mon coquille. Passé. Qui t'a tapé? Viens, bébé. Viens, papa. Gaëlle, tu as tapé ta petite soeur pour quoi? Hein? Mets-toi à genoux. Je t'ai appris ça. Hein? Je vous ai appris ça. Depuis quand je porte ma main sur vous, tu tapes ta petite soeur. Tu vas faire 10 pompes ici là. 8. Papa, nous avons dit ça. Papa, il faut laver. Papa, nous avons ça. Voici pour gagner. Ok. C'est ça. Il faut laver ça. Merci. Vous là. Faut qu'on s'entende maintenant là. Vous êtes déjà grande. Toi tu fais cinquième. Vous êtes déjà grande. Non maman, je m'en fous. C'est maman. Ramassez-moi.
comment vous sentir? Ok, attendez-moi. Oui, on attend. Il faut la voir. On attend. Tu vas laver nos habits, papa. Prenez les habits là. Allez là-bas. On ne prend pas. Tu vas laver nos habits. Tu vas laver nos habits, papa. Tu vas laver. Ouais. Papa, tu vas laver nos habits, papa. Lave ça. Ok, je vais laver. Je vais laver. Regardez, même leur sac, vous jetez ça comme ça. Oui, c'est moi, bébé. C'est moi qui ma décision. Non, moi aussi, j'ai changé de décision. Laisse le sac là. Ça ne va plus se répéter. Bébé, s'il te plaît, excuse-moi. Pardonne-moi. Adam, je ne suis plus une consommatrice. Bébé, je m'excuse. Nous sommes au 21e siècle. Mais excuse-moi, frère, je ne vais pas plus se répéter. S'il te plaît, reste, mais. Tu es la mère de mes enfants, mais. Si tu pars, qui va s'occuper de. Mais s'il te plaît, papa. Apparemment, dans ton sommeil, là, tu as eu la visite de Saint-Esprit ou quoi? Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais. Venez dire à votre maman de ne plus partir. Venez. Maman, s'il te plaît, ne pars pas. Mais vous ne pas partir. S'il te plaît, maman, ne pars pas. Maman, s'il te plaît, ne nous laisse pas. S'il te plaît, maman, ne pars pas. Maman, ne pars pas. J'ai compris. Mais prochainement, ça va plus se répéter, bé. J'ai dit prochainement. Merci beaucoup, bé, pour ta compréhension. De rien. Allons dans la chambre. Prochainement, non, ça va plus se répéter. Allons dans la chambre. Yes. Ok. Entre temps, nous sommes là, on attend les matériels de tournage. Toi, tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu es un imbécile? À cause de tes coups de poing,
elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. De l'hypopotame. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Mon ami, tu sais, dans un couple, on n'a pas besoin de violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi, tu donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi, tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, tu me déçois. C'est toi le chef de famille, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Respecte ta partenaire. Mon ami, tu dois le faire. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Arrête de tuer ta femme pour une nécessaire. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Je suis vraiment content. Quand tu l'as dragué, tu étais l'homme le plus gentil. Tu brûlais une journée de souffrance. Dans ton cœur, c'était l'incendie. Comment on appelle ça? Tu l'avais, je ne sais pas trop. On est en train d'achever le film Je ferai mieux que toi. J'espère que vous allez apprécier les images. Je t'assure que ça ne sert à rien. Plein tournage de court-métrage, je ferais mieux que toi. Voici notre acteur principal, celui qui rend la vie impossible à sa femme. J'espère qu'il aura son compte. Le problème ici, il n'est pas avec son costume. Et actuellement, il transpire comme une marmite. Salut, salut, voici notre éclaireur. Après pour l'enfer, je suis l'éclaireur dans les films, dans le court-métrage. Je ferai mieux que toi. Cet homme rend la vie impossible à sa femme. Fin de fin, il va savoir que la vie n'est pas facile. La femme, quelle qu'en soit l'activité que la femme mène, elle est importante dans le foyer. L'homme ne peut pas évoluer sans la femme. La femme est affectée dans l'université de couscous et à la fécondation olympique. Pour rapport, faut pas taper sur madame.